Paul et bienvenue à cette critique du jeu pour Garden Waters, un jeu de Plaid Game, un jeu du designer entre autres de Isaac Vega qui a fait entre autres Dead of Winter et des artistes Anton Fadiv et Nazelda Tikomirova, désolé si j'ai le prononcement, des nouveaux artistes qui n'ont fait aucun autre jeu, mais pourtant le visuel de ce jeu-là est magnifique. C'est un jeu de 1 à 7 joueurs quand même et d'un temps d'environ 4 heures par scénario. Mais partez pas tout de suite, le jeu a des points de sauvegarde. On parle d'une complexité intermédiaire, où est-ce que les mécaniques seront du placement d'ouvriers, du sélection d'action, du lancement de dés pour des vérifications de tests, un jeu qui est coopératif, très 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 narratif, et finalement un jeu où est-ce qu'on met la mécanique de crossroad game qu'on retrouvait entre autres dans Dead of Winter. Dans ce jeu, nous avons en fait une application qui sera quand même fort présente. En fait, je dis une espèce d'application, car en fait, c'est un browser web. En fait, vous pouvez ouvrir votre ordinateur, ouvrir le site internet et tout simplement l'utiliser. C'est pas vraiment une application que vous utilisez. L'application est fort sympathique, petite musique d'ambiance. On vous présente le setup selon vos scénarios. Présentement, il y a 5 scénarios. Il y en avait 4 au départ, donc il y a possibilité d'en rajouter. Parce que les tuiles, où est-ce que vous allez faire votre setup? Ah, une tuile et un numéro, donc ils peuvent être réutilisés d'un scénario à l'autre, puisqu'ils peuvent décider qu'est-ce que ces tuiles-là font. Il y a aussi justement la mécanique de crossroad game que je vous parlais, c'est qu'il y aura des décisions de manière narrative, ou est-ce qu'il y aura une personne qui demandera est-ce qu'on va tout simplement attaquer le bateau, ou on va faire une négociation pour ne pas les attaquer. En fonction de cette décision-là, nous allons avoir une situation qui pourrait arriver, comme je vous dirais plus tard, dans l'histoire, ce bateau-là pourrait venir en aide vu si on ne les a pas attaqués en fait. C'est fort plus intéressant cette manière avec une application, je vous dirais, parce que dans Devil of Winter, c'était une carte et on voyait déjà un peu, en fonction de notre décision, quel était l'impact de la décision. Ici, on n'a aucune idée. Même il y a aussi des lancers de dés qui peuvent avoir un effet de crossroad game, qui va avoir un résultat. Mais on ne sait pas vraiment si un bas résultat ou un haut résultat va avoir un effet positif, négatif. Donc, l'application est vraiment géniale. Un tour est très simple dans Forgotten Waters. Vous allez ouvrir une page qui va vous être dite dans l'application. Il y aura un sablier qui démarre immédiatement d'environ 40 secondes. Vous pouvez augmenter ce temps-là si vous voulez. Et chaque personne devra faire tour par tour un choix d'action. Ces actions-là seront représentées par des icônes bien distinctes, comme il pourrait y avoir un poisson qui va être tout simplement devoir faire un jet de dés pour, en fonction de votre niveau sur la traque de poisson qui est en fait relié à la pêche, qui va vous donner des ressources qui vont pouvoir être utilisées ou qui vont vous affecter durant la partie. Il y a d'autres actions qui peuvent être pour des attaques de bateaux, parce qu'il y aura des attaques là-dedans, ou il y aura peut-être des quêtes annexes aussi qui sont fort intéressantes. En fonction des choix, ensuite, il y aura la résolution d'action qui est à droite. On essaie de ne pas lire en premier, mais vu qu'il y a le sablier, il n'y a pas l'effet du joueur alpha qui décide « Ah, toi fais ça, toi fais ça ». Il n'y a pas cet effet-là vu le temps du sablier. Et on ne lit pas à droite parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Si on dépasse ce temps-là, il y aura un effet négatif. Donc, on a tout intérêt à faire toutes ces actions-là dans le bon nombre de tours. Une des saveurs du jeu dans Forgotten Waters est la feuille de constellation qu'on a. C'est une feuille personnelle en fonction des joueurs. Au début de la partie, nous allons lire un texte sur chacune des constellations qui va raconter l'histoire de notre personnage. Il y aura aussi des choix en fonction de telle personne et on aura un certain lien avec les autres personnages qui aura peut-être un impact plus tard dans la partie. Il y aura aussi dans cette constellation-là, nous allons débloquer des certains pouvoirs de plus qui vont nous permettre d'améliorer nos jets de dés en fonction des spécialités. Chaque personnage est différent parce qu'il y aura un maximum pour certaines personnes. Donc, on est mieux, je vous dirais, de se diversifier dans nos spécialités. Donc, une personne pourrait être bonne en navigation, quelqu'un pourrait être bonne en combat, une pourrait aller chercher des ressources. Comme ça, quand on est en manque de ressources, on voit que la page, on peut atteindre des ressources. On dit à la personne qui est bonne en ressources d'aller faire tout simplement ces tests-là. Il y a aussi des cartes trésors et histoires qu'on retrouvera. Les cartes trésors qui nous donneront des bonus ou évidemment augmenteront vos jets de dés pour les améliorer. Et normalement, où est-ce qu'on a lors des jets de dés, plus le jet est élevé évidemment, plus le bonus est grand. Les cartes story, histoire, elles vont nous donner un bonus instantané ou un bonus à long terme en fonction de qu'est-ce qui arrive
grande, grande diversité. Il y a environ une centaine de cartes dans les deux cas. Il y a une chose, par contre, que je ne vous ai pas dit. Le côté narratif. L'application, en fait, il y a des acteurs qui vont vous lire l'histoire. Et les acteurs sont d'une qualité extraordinaire. Leur manière de jouer et les mots qu'ils utilisent, il y a un côté humoristique et le côté pirate est très présent. Cette application avec les acteurs, où est-ce qu'on se fait lire l'histoire au lieu de la lire, rend l'immersion encore plus grande. Mais quels sont les objectifs du jeu? En fait, c'est tout simple. Vous partez d'un endroit normalement et vous devez vous rendre à un endroit. Il y a par contre plusieurs manières de perdre. Comme dans le premier scénario, si un bateau qui au départ vient sur votre tuile, vous perdez tout simplement. Il y a aussi une espèce de timer qui est la trick track. C'est plus que vous passez de temps un peu à explorer partout, plus qu'il va y avoir de jetons qui vont apparaître et il va falloir lire des nouvelles pages. Et si on en lit trop, on perd tout simplement la partie parce qu'on a pris trop de temps, évidemment. C'est dans le fond, qu'est-ce qui va faire avancer un peu le bateau vers vous, qu'est-ce qui va vous nuire. Il y a ensuite une track où est-ce que il y a la discordance de votre équipage et la quantité d'équipage. Ces deux jetons, s'ils se croisent, vous perdez la partie. C'est dans le fond, il y a mutinerie sur le bateau. Il y a ensuite, évidemment, les points de vie du bateau, que si votre bateau finit par couler, ben vous perdez tout simplement. Passons maintenant aux points positifs et négatifs du jeu. Tout d'abord, la simplicité des règles. Vous placez votre marqueur et vous résolvez l'action au bout de 40 secondes. Ensuite, lorsque vous faites peu importe si vous êtes mauvais dans une action, vous allez toujours avoir une récompense parce que vous allez toujours augmenter sur cette track. Donc, aux prochaines fois que vous allez faire cette action-là, déjà votre jet de dés va être augmenté. Ensuite, l'ajustement à un ou deux joueurs parce que le jeu de base se joue de 3 à 7 joueurs. À deux joueurs, vous jouez 3 personnages chacun. Mais lorsque vous faites un lancer de dés pour augmenter votre capacité, en fait, vous allez devoir dépenser des ressources, les supplies dans le jeu. Donc, cette variante aura une forte importance. Par contre, plus vous en dépensez, vos 3 personnages auront toutes les mêmes capacités. Donc, vous allez être fort, mais vous allez devoir gérer les ressources. À un joueur, c'est la même chose, mais vous contrôlez 4 personnages. Donc, des variantes qui sont fort intéressantes. Le jeu, comme je l'ai dit au début, contenait 4 scénarios. Il y en a présentement 5. Il y a possibilité d'en faire beaucoup plus. Maintenant, les points négatifs. Il y a l'aspect chance de la révélation des tuiles. Parce que lorsque vous vous déplacez, vous prenez une tuile au hasard et vous la placez. Par contre, si vous dévoilez un bateau, il peut y avoir une attaque, le bateau a pris des dommages, vous avez réussi à soit vous sauver ou à détruire l'autre bateau, vous continuez d'avancer. Et un autre bateau arrive, donc une possibilité d'autres combats. Et si vous vous déplacez encore et qu'il y a un autre bateau qui vous attend, les chances d'en survivre deviennent minces un peu. Donc, il faut peut-être s'ajuster un peu. C'est de l'ajustement tout le temps, mais s'il y a plusieurs îles, peut-être que vous allez perdre du temps à vouloir explorer les îles. Mais le jeu est quand même bien balancé niveau quantité de bateaux, selon moi, et le nombre d'îles. Et peut-être la mécanique, certaines personnes trouveront ça répétitif, parce que vous allez placer un ouvrier, faire son action. Simplement, mais il y a tellement de possibilités des fois pour une certaine action parce qu'on peut. Il y a des lancers de dés, mais il y a des fois que c'est pas un lancer de dés, c'est tout simplement un choix. Ou des fois c'est un lancer de dés, mais vous allez, en fonction du lancer, vous aurez un nombre de choix plus grand. Donc vous pouvez en choisir un si vous avez été mauvais, mais vous pouvez en choisir 3. Mais les choix que vous allez faire seront très importants. Évidemment, un petit hic au niveau du jeu, c'est que présentement, il n'est disponible qu'en anglais. Par contre, le jeu est fait par Plaid Game, une compagnie que normalement avait tendance à tout traduire ses jeux, comme Dead of Winter, entre autres. C'est un jeu qui a été traduit. Ou on peut repenser à Histoire de peluche, à Aftermath, qui risque possiblement lui aussi d'être traduit, mais il y avait Commonwealth aussi qui a été traduit. Donc, ce jeu est présentement disponible chez une boutique que j'affectionne, que je vais faire une petite publicité pour eux. C'est la boutique Imaginus au quartier 10-30. Le jeu se détaille à 75$, mais vous allez avoir des heures de plaisir. Car, notion que je ne vous ai pas mentionnée, comme je vous ai dit, le jeu se joue en 4 heures, que c'est marqué. Moi, ça m'a pris 4 heures et quart, ma première partie. Mais le jeu se sauvegarde de manière magnifique. Il y a un journal de bord que vous pouvez noter toutes les tuiles, où est-ce que vous êtes rendu, chaque tuile qui a été découverte, le plateau a l'air de quoi, vos tracks sont rendus à quel endroit, qui a quelle carte, vous pouvez séparer ça dans des sacs, donc vous pouvez jouer ça
en plusieurs jours. Donc, c'est tout pour ma critique. Vous pouvez aller voir, même voir cette critique sur Instagram ou sur Facebook et plusieurs autres critiques pour le Temple du Meeple. Et on se revoit pour une prochaine critique.